monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je pète la forme. On se retrouve pour l'épisode 10 de Resident Evil 4 Remake. J'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes chauds, parce qu'on est parti pour une bonne grosse demi-heure ensemble. Et donc on s'était arrêté devant cette grande maison, l'abattoir plus précisément. Et on est parti, hein. On va aller voir ce qu'il y a là-dedans. Ah, je vais faire attention aux cocottes, parce que ça me rappelle quelque chose. Qu'est-ce qui peut bien se trouver ici? Herbe rouge, ça c'est très bien. Léo! Cesse de lutter inutilement. Abandonne ton corps à la volonté. Tu crains, commissionnaire, tu le sais ça? Oh, tout-puissant, donne-moi la force d'écraser tes ennemis. Putain de merde! Ashley, cours! D'accord! Hasta luego! Jouer à ça. On va jouer à ça. Bon, bah il va falloir que je lui casse la gueule, hein. Wouah, il fait mal, bien sûr. Bon, on va essayer de se casser. Alors évidemment, je me doutais hein, que ça allait être maintenant. Puff, puff, puff. C'était un moment qui était bien compliqué déjà dans l'original. Youhou. En tout cas, sans le lance-roquette, c'est complexe, mais on va essayer d'y arriver, hein. On va essayer le beau jeu. Avec la TMP, déjà, c'est pas mal, normalement. Oh. Il fait mal, il fait mal. Il est violent, hein. Ça se voit. Hein. You. Ok. Essaye de bien viser déjà. Ah ah. Hop. R2, 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 R2. Merde, je pouvais le faire depuis en haut. Hop, ça va. Ils sont sympas, ils nous laissent du temps quand même. Ok, c'est pas passé loin. Pas passé loin du tout. Hop là. T'as essayé de me mettre des gifles, hein. Hop. C'est bien, il me redonne des balles de TMP. On va continuer un peu avec ça. Youps. Ok, nickel. Ah, il y a sûrement moyen que je tire sur... Wow, mais il a tapé à côté. J'avais pas l'impression que ça me touchait, là. Bref. Ok, on prend ça. Qu'est-ce qu'on peut fabriquer? Pas grand-chose, hein. Je sais pas si la grenade aveuglante, ça va lui faire vraiment quelque chose. On verra. En tout cas, je vais déjà le faire. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a par là? Hop! Ah, j'ai voulu appuyer, j'ai pris trop de temps. Très bien. Ça régale. Youps! Là, j'ai réussi. Il est. Il est haut! Whoops! Ok, je l'ai pas vu venir celui-là. Et là, je l'ai vu venir. Ok, deuxième fois je fais la même erreur. Ok. Eh oui Coco, deux parties, sinon c'est pas drôle. You, je recule dans le feu, très bien Alex. Et déjà dans l'original en fait ce que j'essayais de faire c'est j'essayais d'avoir un... Ouh c'est pas passé loin ça, je sais pas ce qui m'a lancé mais je l'ai évité. J'essayais d'avoir un lance-roquette parce qu'en fait bah, ça ne pète qu'une des deux phases. Oups. Oh non. Ouais bah forcément hein. Bah écoutez les gars je crois que je vais crever hein. Je sais pas du tout comment je vais réussir.
J'ai pas eu le réflexe assez vif. Allez, soigne-toi. Il voulait pas que j'aille dans le menu. On va prendre ça, hein. On va essayer d'éviter ça. Oh, évidemment, il me l'envoie en plein dessus. Je vais essayer la prochaine fois qu'il soulève les barils de tirer dedans. Forcément, je crois que c'est le but. Ok, ça c'est pas le baril. Hop, ça passe à côté. Ok. C'est qu'il est agile, l'enfoiré. Ok. Ils ont quand même mis une grosse part d'humour dans le jeu, hein. Je trouve ça génial. Hein. Ça détend l'atmosphère. Oups. Ok. Je me dérouille pas trop mal quand même. J'ai un peu fait n'importe quoi avec les barils, mais bon. Il y aura sûrement une autre occasion. Hop. Ok, ça va être maintenant, je crois. Oh oh, non. Ok. Oh. Ok, ça se croisait. J'aurais dû rester au milieu. Ok. Bien. Ah là, il me le proposait pas de le faire depuis en haut. Allez hop, ça dégage. Il est coriace hein, quand même. Ah, deuxième fois que je recule dans le feu. Crétin. Et on va essayer d'éviter ça. Ouais bah c'est compliqué hein. Compliqué. Allez, prends des barils. Ok, suffisait de demander, nickel. Là c'est bon. Vraiment pas mal, je lui ai fait pas mal de dégâts à mon avis. On est plus trop loin de la fin. Faut tenir bon. Oh. Encore une fois, j'avais un peu l'impression que ça passait à côté hein, mais bon. Alors il me reste plus que ça. C'est déjà ça de prix hein. On va essayer que non hein Mendez. J'aimerais bien ne pas mourir. Oups. Oh la baffe. La torgnole. J'ai plus rien pour me soigner hein, donc encore un coup et je meurs à mon avis. J'aimerais bien qu'il meure aussi. Ok. Allez. Dépêche. Allez, ça devrait être bon là, non? Toujours pas. Et je lui fais péter un baril à la tronche. Je le plante deux fois et c'est toujours pas la fin de la deuxième phase. Il est vraiment complexe, hein, les gars. En plus, je peux plus courir comme avant. Allez, baril. Oui. Non, allez. Oh, c'est pas vrai. Ah bah forcément. Oh, les gars, j'étais sûr d'avoir tiré dessus. Quel enfer. Quel enfer. La visée est un peu chiante dans le jeu quand même, mais bon, c'est qu'il faut améliorer la précision, et on voit vraiment une grosse différence quand c'est pas amélioré, quoi, c'est tout. Mais elle est améliorée la précision, en fait, maintenant que je dis ça. Mon Red 9, il est vachement bien amélioré, en fait. Bon, les gars, vous savez quoi ? Giga flemme, donc je crois que je suis pas trop loin des 80 000 pour le lance-roquette, donc je vais le prendre. Là, je suis pas trop loin. Alors, je vais te vendre... Ouais, ça et ça. Hop, 78 000. Ouais, je vais y arriver. 78 000, disais-je. On n'est pas trop loin. Je veux pas en avoir besoin. Hop, ça dégage. Ah, il manque encore un peu. Hop, bah ça. Ça, j'utilise pas. Hop, voilà. Hop. Bon, il y a sûrement moyen de faire de la place. J'ai de la place, Coco. J'ai de la place. Allez, hop, c'est parti. On va lui péter sa première phase directement. Oh bah je vais adresser, je me suis fait défoncer donc laisse-moi lui péter sa tronche. Et on n'en parle plus. Donc je vais péter la première phase. Et puis après il me restera toutes les balles de TMP pour tirer dans les barils, ce sera peut-être plus simple. Ouais, de l'autre côté forcément, hop. On va déjà combiner ça. C'est déjà ça de fait. Et hop. On va déjà équiper ça. On est parti.
Je vais passer l'animation, hein, forcément. Allez, pas faire le con, pas tirer à côté. Voilà, ça, c'est fait. Hop. Je monte directement. Les claquettes pour toi, c'est fini, mon pote. Quel enfoiré, Léon, quand même. Hop, ok, j'allais dire je l'ai évité sans faire exprès, mais non. Voilà, ça c'est fait. T'enflamme pas, qui dit le coco. Hop, voilà, ça c'est pas mal. Ça va être vite réglé, moi je vous le dis. Oups, ok, j'ai cru qu'il allait me la mettre dans la tronche, hein, celle-là. Et... hop, allez, lance. Ok, pas passé loin du tout. J'aimerais bien qu'il vienne par ici, que je puisse lui planter. Ah, bah il suffit de demander, il suffit de demander. Hop, oh, j'ai appuyé trop tard. Ouf. Wow, ok, c'était limite. J'ai encore ça, c'est pas mal. J'ai pas mal de soins en vrai, je suis tranquille. Ok. Ça, il faisait pas cette attaque-là la fois d'avant, il me semble. Allez! Mais c'est pas vrai, oh! C'est impossible de tirer dessus, vraiment. Impossible. Avec le Red Knight, c'est impossible. Bon. Ça va, c'est pas la fin du monde. Ok, c'est bien. A chaque fois, je fais l'erreur, hein, mais bon. Hop, ça c'est fait. Ouais, je veux pas que tu me pardonnes, Fio, je veux juste que tu crèves. Oh. Ah, ça m'a donné des balles de TMP, ça c'est bien. Allez, 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 allez. Voilà. Ton œil là. Léo, ça, on va s'écrouler. J'arrive, juste le temps de récupérer quelques petits trucs. L'œil de verre de Mendez. Oh, il y a peut-être autre chose à récupérer, non? Ouais, il y a une caisse là-haut. Ouais, j'arrive. Elle n'empêche, c'est une guerrière, hein, Ashley, dans le remake, là. Génial. Ouais, je récupère blindé de pesetas parce que j'ai la valise en or. J'arrive, j'arrive. Je suis là. Léo, vite. Et voilà. Mon héros. Let's go. Le feu va sûrement attirer leur attention. Restons pas là. Ah ouais, il y a des chances. Léon, je vais pas devenir comme eux, hein. Je ferai tout pour que ça n'arrive pas. Je te le promets. Un casque aux côtes. Je gère. Oh, il y avait de la poudre noire. Tant pis. Tant pis, tant pis. Allez, la crevette. Là, c'est fermé. Tant pis. Là, on est arrivé de l'autre côté. Hein. Oups, oups. Ouais, 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 ça brûle bien. Hein. Ouais, j'allais dire, normalement, on va bientôt arriver au Sathur. Bien, ça. Hop. Coffre. Jeton d'or, génial. Accessoire coloration rouge. Ça, ça me fait marrer. Faudra que je regarde ça, moi, de mon côté. Et il y a un trésor. Ah bah, il est là-haut. Pef, voilà. Donne-moi ça. Émeraude, parfait.
C'est bien, je récupère l'émeraude que j'ai vendue pour avoir le lance-roquette. C'est un peu chiant que j'ai vendu le masque vide, mais bon. Pas trop le choix. J'allais pas vous faire un épisode de 15 heures, hein. On est sûr de pas être suivi. Allez, en route. Bon, chapitre terminé. Évidemment, on va continuer parce que ça ne fait que 15 minutes. C'était vraiment pas mal, hein. C'était vraiment pas mal. Bon, je suis mort deux fois sur le chapitre. Ça craint. Ça craint, ça craint. 9 attaques subies. Ok, ok. Ok, oh, c'est cool. Franchement, là, on va arriver dans la zone du château. Et je suis chaud, j'adore. Honnêtement, j'adore. Enfin, j'adorais dans l'original, donc... y a pas de raison que je n'aime pas. Hop, un petit coup de sauvegarde quand même. Pour être sûr. Pour que tout se déroule bien. Et on va pouvoir être pas mal, hein. Hop, c'est parti. Quand on y pense, ça fait pas beaucoup de sens hein, qu'ils aillent dans le château. Dans l'original, il y avait une raison, ils étaient poursuivis. Là, pas trop, quoi. Pas trop de chemin où aller. Hein. Louis! C'est Louis, toujours dans le coin? Je voulais rentrer, mais Ashley tenait absolument à visiter ce château. Tant mieux parce que j'ai un petit cadeau pour vous. Un médoc qui ralentira la progression de votre problème. Où est-ce qu'on va? Eh bien... disons la cour intérieure du château. On se voit là-bas. Ciao! Bon, j'ai rien dit, la raison c'était pour récupérer évidemment le... enfin pour enlever le Plagas quoi. Je suppose qu'on va y aller. Il faut qu'on aille le rejoindre dans la cour. Ce sera fait, bien évidemment. Génial, génial. Alors ici, on a le vendeur. Et on va certainement avoir des nouvelles surprises. Hein. Parfait. Ben, je vais juste faire le tour parce qu'il y a des caisses à péter. Hop. Des pesetas. Récupérer un max de thunes. Avant d'aller lui parler. Il n'y a rien. Il y a peut-être un serpent là-dedans. Il y en avait dans l'original. Non, ok. Ok, ok, et le trésor, il était bel et bien là. Et il y a toujours une boussole ancienne. Très bien, ça doit se revendre pour quoi, 10 000, 15 000. Eh bien, cocotte. Rien là-bas? Il n'y a rien. On va aller dire bonjour à monsieur. N'oublie pas qu'arme à feu rime avec jeu, étranger. Je risque pas de l'oublier, tu me le répètes à chaque fois. Face à un tel choix de pistolet, il y a de quoi être un peu perdu. Pour t'aider, voici 4 valeurs sûres avec leurs points forts. Ouais, bah Punisher, Red 9. De toute façon, moi j'ai choisi Red 9, je sais que c'est mon préféré. Je sais que c'est mon préféré. Bienvenue. J'ai quelque chose de nouveau pour... Alors moi aussi, donc c'était 8000. Ah ok, donc l'œil il se vend là où dans l'original c'était une clé. Babiole, ça n'a pas très bien. Le prix, par contre, très bien, très bien. Du coup, on n'a pas tant de thunes que ça, vu que j'ai tout claqué dans le lance-roquette. J'aurais peut-être pas dû. Hein. J'aurais peut-être dû insister et réessayer un peu comme ça. Mais. Oh! Ok, 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 ok. Ma marchandise est en parfait état. Je te le promets. Ah, mais du coup, j'ai pas de thunes. Qu'est-ce que je peux vendre? Ici, j'en ai 5. Ah, déjà, la carte au trésor, c'est obligé. Il y a toutes sortes de bibelots dans le château de ce clown. Ce clown? Comment ça tacle? Ça a l'air incroyable. Ça a l'air incroyable. Il me faudrait 30 pesetas du coup. C'est pour un ticket pour l'amélioration maximale. On verra bien ce que ça donne. J'achète tout et n'importe quoi. En vrai, le lance-carreau, je l'utilise pas vraiment. Hein. Une affaire bien conclue. Je l'utilise pas vraiment. Voilà, je peux prendre ça maintenant. Et ça, c'est... je suis obligé de le prendre. Je suis obligé.
Visière lunette dans le château, c'est utile. Enfin, c'était utile, donc. Exploser des têtes comme des pastèques. Tu vas faire un massacre avec ça. Hé hé. Merci Coco. On va aller casser des têtes. Rien d'autre? Rien d'autre d'intéressant a priori. Donc je vais essayer de récupérer un maximum de spinel. Là, c'est tout ce que j'ai. J'ai plein de choses intéressantes à voir. Hop. De toute façon, j'ai que 1500, donc. D'accord, d'accord. On va essayer, hein. Hé, hey, cocotte. Allons découvrir ce château. Attendez, y a rien d'autre. J'ai tout fouillé. Puff, puff. Normalement, j'ai tout repris, hein, mais. Hop. Je regarde s'il n'y a pas un petit truc mécanique. Parce qu'il me semble que ça fait un petit moment qu'on n'en a plus vu. Donc je tends l'oreille. Il me semble que ça fait un petit moment qu'on n'en a plus vu et je crois qu'on est bien parti pour en avoir vraiment pas mal. Donc, donc voilà, on va essayer de tous les avoir. Je vous promets rien, évidemment, parce que je ne tricherai pas, je ne regarderai pas où ils sont. Alors. Doit être derrière cette porte. Pas sûr que nos hôtes déroulent le tapis rouge. Des arbalètes, hein? Il y a quelque chose qui me dit qu'ils sont pas très amicaux. Oh bah bien vu, Sherlock. C'est quoi ça? À mon avis, c'est pas là pour faire joli. Tout à fait. Eh ben, c'est de mieux en mieux. C'est là pour te péter la tronche, Léon. Pas de trésor, pas de trésor. Éloigne-toi. Ok. Ouah, on va commencer à arriver dans des zones avec des bruits bien glauques. On y va. Okay. Vous pouvez éviter de gueuler, Léon. Et... discrétion. Oups, non, on te relève pas. Pas de trésor. Ok. Allons-y. Qu'est-ce qu'on a par là-bas? Ça fait des sales bruits. Oi, 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 oi. Gloria las plagas, dit-il. Coco, ça va pas? Qu'est-ce qu'il fout? Oups! Quelque chose me dit... Oh oui, j'aurais dû tirer. Ouah, wow, ça c'est le genre de truc qui te décapite, non? Ok. Je l'ai enchaîné. Heureusement d'ailleurs, parce que comme je vous le disais, je pense que s'il s'approche trop près, il me gobe la tête. Je le vois bien comme ça. Ok, bah on va commencer à avoir des ennemis comme ça. Ça va commencer à être Kinder dans mon froc, hein. Ok, commencer à chier des pastèques, moi. Très bien, très bien. Et okay. Oh, des jarres, des étasses, munitions de fusil. Hop, hop, hop. Ah, attendez, j'ai cru entendre un bruit. Ah, c'était le feu. C'était sûrement le feu, ouais. J'ai cru que c'était un... Bah, y a un truc qui se balance, non? Bref, j'ai rien vu, c'est qu'il y a rien. En tout cas, j'aime bien le début de... Je veux dire, on vient que de rentrer, on est encore dans l'extérieur du château, mais j'aime bien l'ambiance. Je trouve ça beau. Après, évidemment, on va finir par rentrer vraiment à l'intérieur. À mon avis, ça va être très beau. On avait déjà vu quelques images. Ça donnait envie. Alors, on voit les trésors là-haut. Et. D'accord. On va essayer de se faire ça. Hein. Ah ouais, d'accord, c'est comme ça.
Ça va être complexe. Ok, ça me tire dessus déjà. J'aurais peut-être dû garder le fusil à lunettes de l'autre fois en fait. Ouais, ça reste quand même un genre de fusil à lunettes, mais j'ai pas la lunette. J'essaierai de la récupérer la prochaine fois chez le marchand, si elle y est. Et ça a pas l'air de faire beaucoup de dégâts, hein. D'aussi loin en tout cas. Bah écoutez, ça va prendre du temps, mais je vais pas m'avancer comme ça dans la gueule du loup, sinon je vais me faire défoncer. Ah, il sort plus lui à gauche. Hop. Je crois que je l'ai eu. Même pas. Et solide, ou alors mon arme, c'est vraiment, vraiment de la merde quoi. Un pistolet habile machin. C'est bon. Punaise quoi. Il sort plus hein, celui-là il m'énerve. Allez, monte ta tête. Insupportable. Ok, il y a des cocos en bas. Pef. D'accord, il pète les tonneaux lui. C'est moi qu'il faut viser hein, vieux. Oh, il y en a un qui est descendu. Ok. Ouais, ok, ça fait plus de dégâts quand on est plus proche hein. Et encore hein, ça l'a pas terminé. Allez, j'ai tiré à côté. Bah tu t'en vas? Va faire une sieste? Eh mais cette arme c'est vraiment de la merde hein les gars. C'est vraiment de la merde. C'est une honte quoi. Alors qu'à l'époque quand tu rentrais dans le château t'avais limite les meilleures armes quoi. Ouais ouais bien sûr. T'avais limite les meilleures armes quoi, ça saoule. Allez! N'importe quoi. Heureusement que j'ai mon Red 9 hein. Voilà! Allez quoi. Impressionné hein cocotte. Bon. Allez, c'est parti. On a rien là? On dirait bien qu'on a tout fouillé. On dirait bien qu'on a tout fouillé. Ok, let's go. Let's go, let's go. On va commencer à se faire catapulter la tronche en plus. Oui, hein. Tu cries en décalage, cocotte. D'accord. Oh. Très bien. Bien vu l'aveugle. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de péter une tête ou un baril par hasard? Cocotte, tu me fais peur. T'avances un peu trop loin, me semble-t-il. Bon, écoutez, on va tracer. Ouais, ouais. Ouah! Ok. Alors, ça va paraître con ce que je vais dire, mais je trouve ça très chouette. Il me semble pas qu'il y avait des femmes dans les moines, dans le château. Donc, bah, je trouve ça bien. Même si, a priori, si je dis pas de conneries, des moines, en général, c'est des hommes. Mais bon. Non, ça fait plaise. Ça fait plaise. Parce que c'est vrai que dans le jeu original, les femmes, il y en avait juste dans le village. Si je dis pas de conneries, puis il y en avait plus, même sur l'île, après... Oup, loup, loup. Coco, tu vas la lâcher. Ok, on cut à travers. Saucissonnage, on cut. Mon dieu. Heureusement que je peux pas la planter. Hein. Bah, à mon avis, je peux la planter. Mais pas quand elle est en train de se faire attraper. Il n'y a plus de hitbox sur Ashley. Ok. Est-ce qu'il y a moyen que je pète un truc? Parce que là, ça va me tirer dessus dans tous les sens. Et c'est un peu compliqué, quoi. Il y a sûrement moyen. Mais pour le moment, je l'ai pas vu. Ok. Ah, il est là, lui. Ok. Oups. Ok, je pensais que c'était une fenêtre. Je savais pas qu'il pouvait passer comme ça. Ok, un bras en moins. Oui, bah bien sûr. J'aurais dû m'en douter. Ok. C'est catastrophe ça. Heureusement que j'avais la place pour me barrer. Hein. Voilà. Il manquait plus qu'une balle en plus. Il me semble qu'on est pas mal.
Hop. Ça, ça sent la porte verrouillée, ça. Ouais. C'était sûr. Alors. Moi, tout ce que je voudrais... Ah, bah voilà, suffit de demander. Ça, c'est fait. Il doit y avoir ça sur chaque. Hein. Normalement, il y a ça sur chaque. Ouah, ok. Très bien. Ça fait mal, hein. J'ai plus de soin. Ah si, là-haut. Ça va être chaud. Ouais, oui, ça va être chaud, tout à fait. Je vois pas de baril hein, d'ici. Je vois ni de baril ni de petite tête. Éloigne-toi. Ouais, okay. Dommage qu'elle peut pas juste rester là. Elle va quand même me suivre. Ouais, ça... Ah, je l'ai vu. Pof. Là, il y en avait deux. Oh, j'ai même pas eu de mission, je le vois déjà. Ouah. Dit-elle. Eh, trop mims. D'accord, au moins ça peut plus me tirer dessus par là-bas. Enfin si, ça peut toujours par là-bas, j'ai pas vu de baril. Écoutez, je crois qu'on va tracer. Oups. Mais on les voit d'où les barils? Ok, j'ai vu le deuxième. Ok, je vois le baril là-bas. Oh, comment ça? Ça, il s'est pas tiré entre? Allez, dis, j'étais dessus là. C'est quoi ça? Il y a un angle en particulier? Mais c'est dingue. Allez, sérieusement. Il a pas l'air de pouvoir tirer par ici. Écoutez, je vais déjà me faire ça. Ok. Voilà. Oui, je l'ai eu, cocotte. Oh bah, oui, facile. Facile. Oups, voilà. Je comprends pas. Je comprends pas. Ouais, là, ça marche. Ouais, bien sûr. Allez. Si vous voulez, Capcom. Je suis aigri dans cet épisode, les gars. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on a par là? Oh, petit truc qui se balance pour tirer dessus. Ah ouais, bah c'est pour faire monter le canon. Très bien. Allons-y. Ok. Oh, je peux choisir sur quoi je tire. Ah ok, c'est ça qu'il n'y avait pas de... Il semblait bien que ça parlait par là. Oh, l'éclate. Génial. Et il reste plus rien. Bon, la porte, allez. D'accord. Hop, bah tu viens d'où? Tu viens d'où, Coco? T'arrives en courant? Ouais, évidemment. Ok, ça va, il est plus intéressé par elle que par moi. J'aime vraiment bien comme il tient son... Comme il tient son Red Nine, enfin son flingue quand la cible est proche. Bien. Compris. Eh ben, on est pas mal du tout. Donc il y a 6 médaillons bleus à récupérer dans le coin. J'ai même pas récupéré la fiche bleue me demandant de les péter, mais... On a déjà eu 3. Évidemment, on va récupérer tous les autres. Hein. Ok, là je peux pas aller pour le moment, ça doit être plus tard. Hein. Bah ouais, non, pas par ce côté-là. Il faut peut-être... Non, je sais pas. Que je descende là où il y avait le canon, peut-être. Ou je vais voir. Puff. Je fouille tout, hein. Ça doit être par là-bas, à mon avis, il faut descendre là. Ouais. Hop. Là, tu sais descendre, cocotte. Normalement, oui. Alors. Je vois rien pour le moment. Ok, c'est par là qu'il faut aller, très certainement. Hop. Des pesetas qui traînent un peu partout. Ok. J'entends un truc qui grince, mais je sais pas où il est. Peut-être là-haut.
Et en tout cas, on fait le tour. Hop, munitions. Très bien. Je vois rien du tout, hein. De là où je suis, je vois rien du tout. Donc ça permet de faire le tour, mais pourquoi ça? Pas à part récupérer les objets, évidemment, qu'il y a sur le chemin. Il y a peut-être un trésor par ici. Ouais, il y en a un là-bas. Ok, j'ai rien dit, ça vaut la peine. Puff. Ah, bah le voilà. Ok, donc il y en a un ici, donc ça valait vraiment doublement la peine. 4, ok, il en restera 2. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Le bracelet élégant, ouais, ok. Ok, donc on va pouvoir ouvrir par ici. Mais il reste encore deux médaillons. Je sais pas où ils sont. Puff, on va les récupérer là. Je vais voir s'il n'y a pas un chemin en bas. J'aurais loupé, ou alors un médaillon. J'aurais loupé bah, parce que j'étais pressé. Là, je peux pas. Là, il y a une échelle. Ok, je sais pas du tout comment on peut aller par là. Il va bien y avoir un endroit. Peut-être où je peux faire grimper Ashley. Ah! Il y a un truc là-haut, je peux pas te faire grimper là-haut? C'est fou ça, comment je fais pour aller là? Ah ouais, il y a carrément tout un truc. Ah non, là je reviens trop vers le début, il y avait rien. Faudrait arriver par là-haut, mais par où? Ah non, là c'est fermé. Bah là les gars, je sèche. Je sèche. Je sais pas du tout par où passer. Je vais retourner là-bas, hein. Peut-être que c'est un endroit plus loin qui permet de faire demi-tour, mais... Ok, il y a un trésor. Un peu plus loin. Bah, ici, c'est fermé, quoi. Ok. Ok. Peut-être par là-bas, mais... Ah, elle est là-bas, la fiche bleue, je crois. Là, je vois rien du tout. Hop, des munitions encore. Je vais pas passer la grande porte tout de suite, parce que j'ai oublié des choses derrière. Hein. Enfin, à moins que les deux autres médaillons soient... Enfin, on va voir ça tout de suite. De toute façon, je vais récupérer la fiche et je les verrai sur la carte. Alors, on recharge tout ça. Voilà, c'est parti. Alors, ces fanatiques ont accroché le médaillon bleu tout autour du château. Porte du château. Il en manque 2, c'est pour 5 spinels. C'est une vraie pollution visuelle, que quelqu'un nous en débarrasse. Ok. Donc c'est dans la zone porte du château. Je vais regarder tout de suite sur la carte. Porte du château, c'est juste là. Ouais, ok. Il y en a un au niveau du canon. Et il y en a un qui est plus loin sur le côté. On va aller voir ça. Je comprends pas du tout comment rejoindre l'échelle qu'il y avait de l'autre côté. Ok. C'est pas dans le canon? On dirait pas. Ouais, là, Ashley est tout près. Elle est où, Ashley? Elle est là-bas. Donc ça veut dire qu'il y en a un qui est là-bas, pas loin du tout, quoi. Ouais, il est derrière moi. Sûrement l'avoir par en dessous. Sûrement l'avoir par ici. Ah ouais, il est là. Ok, je l'ai. Puff, ok, plus qu'un. Plus qu'un. Ok. Là, je regarde dans la bonne direction. Il doit être par là-bas, mais à mon avis, je peux pas l'atteindre d'ici. Faut que j'aille un peu plus loin. Genre ici. Ok, ça va être en bas à tous les coups. En bas, en haut du coup. Ok, je l'ai vu. Ah là là, les petits saligots. On va prendre le temps.
Oh, Ashley! M'énerve. Forcément. Voilà! Trop fort, je sais bien, si tu mets pas ta vieille tronche devant. Oui, non, je n'aurai pas de quoi remonter de l'autre côté, donc... Aïe, cocotte, grouille-toi. Donc c'est par là. Très bien, on est parti, hein. C'est bien. On a bien fait la zone ici. Mais ça m'énerve pour l'histoire de cette échelle que j'ai vue là-bas. Mais bon, il y a sûrement moyen de rejoindre de l'intérieur. Ah ouais, il reste un trésor, c'est vrai ça. Trésor d'extension, on va aller le chercher. Je l'ai pas vu sur le chemin, ça m'étonne. Je sais pas du tout où il peut se trouver. Il est au niveau du pont. Il est au niveau du pont ici. Mais mais y a rien quoi. Il est en dessous sûrement. Je sais pas du tout comment on fait. Ah bah si. Si. Forcément le passage là en dessous du canon, ça passe en dessous. Donc ça doit être au plafond et j'ai dû le louper. Ça doit être là. Dans l'alcôve ou quoi. Pas ici a priori, un peu plus loin. Pas ici non plus. Ah c'est plus loin encore. Ça doit être là. Je l'entends. Je l'entends mais attendez. Mais je le vois pas. C'est fou ça. Il est là de l'autre côté de la grille mais la grille est fermée, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je comprends rien, c'est moi qui suis con ou... Certainement, hein, c'est juste en dessous de moi. Chiant ça. Je peux pas descendre. Et il y a toute une zone... Ah, il est là. Ouais, mais je sais pas comment descendre pour l'attraper. Il y a toute une zone là... Je sais pas du tout comment on fait pour y aller. C'est dingue. C'est dingue. Au pire, si j'arrive pas à le récupérer, on le laissera là, on avancera. Hein. Je vais pas passer 1000 ans ici, mais... Mais ouais, c'est frustrant, c'est chiant. Je peux pas sauter là? Ah non, dès que je suis là, c'est trop tard quoi. Ok. Prends pas trop. Ouais, je peux pas l'attraper. Je peux pas du tout l'attraper. C'est dommage. Je peux pas sauter de là, c'est trop haut. Ouais, et là on a fait le tour. Ouais, c'est un saphir. Bon, au moins on voit ce que c'est. C'est pas non plus un truc qui vaut ultra cher, mais bon. Voilà quoi, tant pis. Je vais pas réussir à l'attraper, tant pis. Mais l'histoire avec cette échelle de l'autre côté, ça me saoule aussi, mais bon. Il y a peut-être moyen de rejoindre ça depuis... Ah ah! Et donc on arrive à l'intérieur, on reconnaît les endroits. Pas mal du tout, là. Hey, ça c'est fait. Qu'est-ce que t'achètes? À mon avis, j'achète rien du tout pour le moment, parce que j'ai vraiment envie d'avoir le ticket d'amélioration. Hein. Tu veux savoir où on a déniché ces merveilles? Non, je m'en fous. Je t'ai rien demandé. Il vaut mieux pas que tu... Ok, ça je vais pas vendre tout de suite. Modifier. Tes armes sont entre de bonnes mains. Ça c'est vraiment de la merde. Hein. Faudra vraiment l'améliorer à fond. Tout ça je m'en fous. Bah écoutez, on va sauvegarder. Hein. On va sauvegarder. Et on va pouvoir s'arrêter là. Comme d'habitude, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas le like, le commentaire, abonnez-vous, ça me fera extrêmement plaisir. Et on se retrouve dans le prochain épisode de Resident Evil 4 Remake. Ciao tout le monde.